Tu te poses en initiateur. Ça, c'est juste pour toi. Tu me demandes que faire de mon initiation auprès du Christ. Ok. T'as besoin d'une derrière, ça résonne que tu as besoin d'une identité sociale. Toi, tu prends celle du Christ, comme quelqu'un prendrait celle du tuning, comme un autre prendrait celle du coach. Donc, en même temps, tu endosses le manteau d'une identité parce que tu ne peux pas faire autrement. Et en même temps, tu n'assumes pas d'aller plus en avant dans cette identité parce que tu te dis que ça va te séparer et que ça va te séparer du Christ, de ton initiateur et de ta voix. Et donc que tu vas être divisé. Sauf que tu ne peux pas être autrement que divisé parce qu'en tant qu'individualité, tu restes une individualité. Même si toi, tu t'observes à partir de la conscience qui ne peut pas être divisé. Ça, on est d'accord. Alors, ça résonne quoi? La révolte. La révolte, c'est un mur. C'est ce qui te... En fait, tu restes dans une révolte du monde extérieur, ou tu restes dans une révolte que le monde ne te comprend pas et ne te comprendra jamais parce que ça justifie ta non-action. Ça justifie la fuite de tes désirs. Et alors, pas la fuite de tes désirs, mais au fait que tu ne les mets pas en place dans ta vie. Parce que ce sont bel et bien tes désirs qui ont pour origine cette conscience unifiée, qui te permettront de vivre ta vie et de manifester à toi les expériences, les gens, l'argent qui va te permettre de vivre. C'est à peu près tout. Non, il manque autre chose. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui manque pour toi, Jonathan? Tu as des choix à poser. Et en même temps, ce que je dis n'est pas accepté par ta structure parce que y a l'enfant qui défend son père et sa mère. Dans ta psyché, le Christ est assimilé à papa-maman. Et donc, comme tu ne veux pas faire défaut à papa-maman, tu ne veux pas les trahir, tu refuses de trahir le Christ, en fait. Donc c'est pour ça que c'est aussi difficile pour toi. Pour le groupe, qu'est-ce que ça veut dire? Alors attends, non, il y a autre chose. Ouais, non, ça me renvoie vraiment sur tes désirs, sur ta capacité à les mettre en place dans ta vie, sur ta capacité à te lier aux autres grâce à ces désirs-là. Et à ne faire que ça. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à toi. Et pour le groupe, est-ce qu'il y a quelque chose? Je veux être l'enfant élu. On aimerait tous et toutes être l'enfant parfait de Dieu. On aimerait tous et toutes être celle qui excelle ou celui qui excelle. Donc, on est sur un rapport de perfection, de imperfection-perfection. Et comment on se place dans le groupe de ce soir? On est là à attendre que ce soit les autres qui nous disent quelle est notre place. On est là à attendre que ce soit le Christ, papa, maman, la société, d'autres coachs, une formation de plus, une année de plus à l'université qui nous valide qui l'on est, qui nous valide notre perfection, notre imperfection. Donc on se place clairement en tant qu'enfant en faisant ça. On ne se croit pas apte à être adulte, pas apte à créer un chemin parce qu'on pense que ce chemin va nous séparer du divin, de Dieu, de nos parents, alors que rien ne peut séparer ce qui n'est pas séparable. Rien ne peut diviser ce qui n'est pas divisable.